Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo /test/review sur le Mavic 2 Pro. Je sais que vous me l'avez beaucoup demandé, ce test-là. Et ben aujourd'hui, il est temps de faire ce test et cette review pour dire qu'est-ce que fait ce drone et qu'est-ce que j'en pense finalement. Donc on va parler aussi de la vidéo, de la photo, des fonctionnalités, des capteurs 360, de pas mal de choses au final. Donc moi, je vous dis à tout de suite. Cette vidéo n'est pas une vidéo sponsorisée, c'est un test 100% libre et indépendant de ce drone là, sachant que je paye mes drones, je les achète, le Mavic 2 Pro je l'ai acheté, comme le Mavic Air, comme le Mavic Pro, comme un peu tous les drones que j'ai, sauf le unique Mantis Q qui m'a été prêté par Gulliver Modélisme à Epany. Le Mavic 2 Pro. Pourquoi j'ai pris le Mavic 2 Pro par rapport au Mavic 2 Zoom? Moi, clairement, le Mavic 2 Zoom, il ne m'intéressait pas. Je suis photographe amateur. Je photographie avec des appareils photo Sony Alpha 7, Alpha 7 Mark 2. Non, j'ai pas de l'Alpha 7 III ou Alpha 7 R3. Je ne suis pas sponsorisé, on ne prête pas ce genre d'appareil. Donc voilà, je fais avec ce que j'ai, bien sûr, et j'en suis totalement satisfait. Donc moi, le Mavic 2 Pro, il m'intéressait pour la caméra Hasselblad. Si vous ne connaissez pas Hasselblad, c'est peut-être pas par hasard, on va dire, parce que ça s'adresse à l'élite des photographes, clairement. Pour se payer un boîtier, faut avoir les moyens. Je pense que c'est bien 5 000, 6 000 euros, un boîtier numérique moyen format, le X1D1 si je me trompe pas, le dernier sorti de chez Hasselblad. Donc là, on a la chance d'avoir une optique Hasselblad, optique de pointe avec un capteur 1 pouce, la focale c'est du 28 mm, l'ouverture c'est du f2.8 minimum, donc c'est déjà une grande ouverture, c'est une ouverture, une très bonne ouverture déjà quand on a des objectifs qui font du f2.8 sur toute la focale, que ce soit du fixe ou sur du 28-70, des choses comme ça. Et donc là, il faut savoir que en fait Hasselblad, c'est un Norvégien et il a été racheté par DJI il y a déjà de ça 2 ans en fait, donc c'est pour ça qu'ils se sont mis à intégrer donc les caméras Hasselblad sur là le Mavic Pro. À savoir qu'il existe d'autres modèles avec du Hasselblad chez DJI, si je me trompe pas il y a le M600, mais par contre là c'est du modèle professionnel, donc voilà, c'est une autre catégorie. Là on est sur la catégorie grand public, on table sur du 1 449 € pour ce drone là. Le Flymore Kit lui est à 319 € jusqu'au 17 septembre et ensuite il remonte à 379 €. Une batterie coûte 119 € et va remonter à 139 € le 17 septembre. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, je crois qu'il est déjà trop tard. Malheureusement, les prix ont déjà remonté. Je l'ai choisi aussi pour la vidéo parce que là, on est en 4K et il va pallier clairement à ce qui faisait défaut au Mavic Pro de la première génération, c'est-à-dire tout ce qui est contraste, tout ce qui est coin sombre. Il y avait pas mal de bruit qui se trouvait là-dedans. Donc là, on a du HDR. On a aussi un profil de couleur D-Log 10 bits qui pourra capter beaucoup plus en fait de couleurs, 16 millions de couleurs. On a un plus grand range. On a un plus grand range, clairement. Et donc en fait tout ce qui sera zone sombre, tout ce qui sera zone lumineuse sera mieux exploité par ce capteur et on retrouvera soit pas de bruit ou soit vraiment beaucoup moins de bruit. Ça sera infime à détecter. Alors on va regarder le drone d'un peu plus près au niveau de sa finition. Moi, pour moi, ce drone est très bien fini, clairement. Il fait très aérodynamique, il fait beaucoup plus massif que le Mavic Pro 1 et clairement moi je le trouve bien mieux. Il y a des entrées d'air ici et là pour refroidir tout ce qu'il y a à l'intérieur, et il y a des sorties d'air ici est là en fait directement vers l'extérieur. Là les capteurs, donc on en a sur 360 degrés, donc on a les deux qui sont à l'avant, celui qui est au-dessus qui est un capteur infrarouge, capteur optique. Ici on a un capteur sur les côtés, on a un capteur à l'arrière ici et là, et en dessous du drone donc on a un capteur optique ici et deux capteurs là, plus ici c'est pas des capteurs, c'est les petites LED d'atterrissage qui ont été rajoutées par DJI. Et voilà, c'est quand même bien confortable pour pouvoir atterrir et voir où on atterrit, sachant qu'il est interdit de voler de nuit sur les territoires français, hein, faut pas déconner avec ça. Et donc après au niveau ici des LED qui sont sur les bras, je les trouve beaucoup plus jolies. Clairement là on a une interface noire, on voit qu'on a trois petites LED ici en fait, en dessous des petits caches noirs. Au niveau du drone quand on le pose, on est toujours plus ou moins à ras du sol, mais quand même peut-être un petit peu plus élevé que le Mavic Pro première génération. Le point fort, c'est qu'ils ont pu améliorer, et vraiment ça c'est vraiment un gros point d'amélioration, c'est la caméra. On le sait, la caméra sur le Mavic Pro 1 est fragile, est très fragile. Ici clairement on a quelque chose de plus robuste, de plus solide, on le sait, on le sent. Clairement les bras sont bien plus résistants, et c'est vraiment amélioré. On a une caméra beaucoup plus massive aussi, due au capteur 1 pouce hein, bien sûr. Et voilà, on a donc l'axe ici Z, l'axe alors ici c'est le tilt, et ici c'est le roll. Donc tous les mouvements seront amorti hein, directement hein, par cette nacelle stabilisée sur trois axes, et on voit qu'il y a des petits amortisseurs un peu partout hein. Si on appuie ici on sent qu'il y a un amortisseur, et ici là on le voit dans le trou, il y a des amortisseurs aussi. Ici au niveau des bras on voit clairement des gaines ici sur les bras avant, on voit les gaines hein, clairement. Donc c'est assez solide hein, pour ne pas laisser les câbles à nu. Et du coup, ça sera beaucoup plus sain, ça sera beaucoup moins cassant en tout cas. La batterie, ici, on a bien sûr juste un bouton, on n'a plus les quatre petites LED, on a un bouton avec quatre LED à l'intérieur, hein, quatre LED vertes qui vous indiquent l'état de charge de la batterie. Et donc le connecteur, comme je l'ai dit précédemment dans ma précédente vidéo, on le retrouve ici et pas au-dessus, donc ça a changé, et ça a changé aussi physiquement aussi dans le drone bien sûr, hein, ça c'est logique. Là la fermeture c'est F2.8, donc c'est grande ouverture, on capte beaucoup de lumière. À F11, là on ferme de plus en plus et on aura moins de lumière. En ce qui concerne la radio, elle reprend le même design que celle du Mavic Pro 1. La grosse différence, mais vraiment la différence majeure, ce sont les sticks qu'on peut enlever directement comme sur le Mavic Air hein. Donc c'est vraiment la bonne chose, le point positif qu'ils ont piqué sur le Mavic Air. Alors on déplie aussi les antennes, et comme je disais, donc cette radio là est un peu plus épaisse que celle du Mavic Pro premier du nom. On retrouve toujours le système pour mettre son téléphone ici, ou même une tablette, hein, une tablette assez petite ici, hein, avec ici le connecteur pour le téléphone, que ce soit du Lightning, du micro USB ou de l'USB-C. Et on retrouve toujours ici le port USB pour mettre son propre câble USB, Lightning, USB-C ou micro USB selon la connectique de son téléphone. Le bouton 5D, c'est intéressant parce qu'il s'en va plus, il ne se barre plus du tout, c'est fini, il est mis, il est fixe, on n'en parle plus, comme ça on la perd plus, comme moi je l'ai perdu en Norvège et je m'en sers pas, donc voilà, je l'ai laissé tel quel. Là ici on retrouve toujours les mêmes boutons de raccourci pour la vidéo et deux la photo, le return to home toujours au même endroit. Ici le bouton pour allumer la radio, et là donc les molettes, celle-ci donc qui se trouve à gauche, c'est pour baisser ou descendre la nacelle hein, selon la vitesse qu'on a indiquée dans DJI Go. Et ici c'est pour ouvrir ou fermer hein, de F2.8 jusqu'à F11, et on a ici maintenant un retour à zéro. avant l'ancienne molette était crantée, donc c'était un potentiomètre sans fin, donc c'était cranté, hein, voilà, et puis je crois qu'on pouvait appuyer dessus. Et là maintenant, ce ne sont plus des boutons en fait, hein, voilà, on ne peut plus cliquer dessus comme avant. On a toujours ici les boutons de raccourci C1 et C2, hein, bien sûr. Ici on a un interrupteur 3 positions, donc P pour le mode GPS, S pour le mode sport et T pour le mode trépied. Moi je ne l'ai pas activé dans DJI Go 4, mais pour l'utiliser il faudra activer les modes de vote multiples, ce que je n'ai pas fait parce que voilà, je ne me sers pas du mode sport et du mode trépied pour l'instant, et je m'en sers pas très souvent au final, voilà, donc j'ai préféré moi le désactiver pour éviter toute erreur de ma part. Ce qu'on va dire aussi, c'est que maintenant donc le drone bénéficie de l'OcuSync 2.0, et c'est-à-dire que on a une meilleure portée, oui certes, hein, peu importe, on doit toujours voler à vue. Et deuxièmement, ce qui se passe, c'est que le retour sur le téléphone, la tablette ou quoi que vous utilisiez est maintenant en 1080p, donc en Full HD 1920 par 1080. Auparavant, sur l'OcuSync, on avait du 720p et maintenant, on a du 1080p et on a un range, donc une portée plus élargie. Et je peux vous dire qu'on ne perd pas le signal comme ça avec ce drone là. En tout cas, les caractéristiques de ce drone, bah on les connaît, hein, clairement. Donc le capteur Hasselblad, c'est un capteur 1 pouce, la vidéo c'est en 4K, la photo c'est du 3800 par 2160, hein, si je me trompe pas. Donc voilà, on a des très grandes photos aussi en 20 mégapixels, et ça c'est vraiment assez important. Donc on arrive au pied du Phantom 4 Pro pour ce genre de caméra. On a une autonomie totale de 31 minutes, je pense qu'on peut pousser facilement à 25 minutes, sachant que quand j'arrive à 25% d'autonomie, il me reste 7 minutes 30 encore pour voler. On a les capteurs 360 comme j'en ai parlé auparavant. Ils ont repris la passe qui était déjà sur le Mavic Air, donc c'est le système d'évitement des obstacles. Techniquement, le drone doit pouvoir éviter donc les obstacles et pouvoir se frayer un chemin ailleurs pour pouvoir toujours avancer, sinon ben il va se stopper tout simplement. Bonjour, je fais une vidéo de drone. Oh non, la vitesse max que l'on peut atteindre avec le Mavic 2 Pro, c'est 72 km/h. Donc on parle bien sûr du mode sport. Déjà en mode normal, on approche très rapidement, mais vraiment très rapidement, des 50 km/h. Je vous assure qu'il va assez vite. Dès qu'on pousse un peu sur les sticks, il est vraiment très réactif. Après bien sûr, il faut les régler, hein, bien sûr, hein, dans DJI Go. Mais le réglage de base nous permet d'aller déjà à 50 km/h assez rapidement, assez facilement. On retrouve aussi les hélices low noise ou faible bruit, hein, qu'on avait sur le Mavic Pro Platinum, avec aussi les moteurs du Mavic Pro Platinum, et je peux vous assurer que le drone est relativement et sérieusement silencieux, et quand il s'éloigne un petit peu, je vous assure qu'on l'entend plus énormément, et ça change beaucoup par rapport au Mavic Pro 1 ou au Phantom 4 ou à tout autre drone en tout cas que j'ai pu piloter. On n'a pas ce bruit de bourdement d'abeilles en fait qu'on entend de la part des moteurs sur les autres drones de la gamme. La petite caméra Hasselblad, elle a un nom de code, c'est L1D20C. Voilà, c'est un drôle de nom, un peu comme RDD2, hein, on est d'accord. Et donc ça c'est une réelle caméra en 4K, voilà, je me répète, je sais, je le dis, mais c'est vraiment une réelle caméra en 4K avec un bon piqué, avec une reproduction des couleurs qui sera fidèle à la réalité. Et vraiment ce mode D-Log M10 bits, voilà, nous facilite la vie, puisqu'après pour l'étalonnage, pour la post-production, ce sera beaucoup plus facile de faire de la colorimétrie avec le profil de couleur qui est intégré au drone. À savoir que on a accès maintenant au codec H265 dit HEVC. Donc le codec HEVC ou H265 par rapport au H264 permet de récupérer 50% de détails en plus, donc ce qui nous donnera une vidéo beaucoup plus riche en détail. Après le H265, pour être clair avec vous, vous ne pourrez pas le monter avec tous les ordinateurs. Voilà. Moi je sais que j'ai dû passer sur macOS High Sierra pour qu'il soit intégré dans Final Cut Pro. Pour Windows, je pense qu'il faut être sur du Windows 10 minimum, ou en tout cas avoir du Premiere Pro ou ce genre de logiciel pour pouvoir être en possibilité de le traiter et même en fait de le lire. On a de la vidéo HDR, hein, High Dynamic Range, contraste, ton de couleur, zone lumineuse, tout sera amélioré grâce au HDR qui est intégré dans ce petit drone. Une des énormes et grosses nouveautés, c'est l'hyperlapse. L'hyperlapse, c'est une fonction qui maintenant est intégrée dans DJI Go 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est du time-lapse. Quand on prend des photos à certains intervalles, 2 secondes, 3 secondes, et qu'ensuite on les assemble et on a l'impression que le temps passe plus vite. L'hyperlapse, c'est un time-lapse en mouvement, tout simplement. Donc en fait, le drone, lui, va aller à une faible vitesse, 2, 3, 4, 5 km/h en fait, et il va prendre des photos par intervalle. Et donc en fait, on a l'impression d'avancer très lentement et que le temps passe énormément vite. Ça, c'est un tuto que j'avais fait sous Litchi, clairement, pour comment créer un hyperlapse avec Litchi. Et là maintenant, c'est accessible à ceux qui sont possesseurs du Mavic 2 Pro, sachant aussi bien sûr que maintenant on a une autonomie de 31 minutes heureusement, et qu'au final donc ça prend beaucoup de temps de faire un hyperlapse de 10 secondes, hein, clairement, sachant qu'il y a 24 images par seconde pour que la persistance rétinienne fonctionne, et que pour 10 secondes de vidéo vous devrez avoir un minimum de 240 photos prises, parce que 24 photos vont représenter seulement une seconde en hyperlapse, et donc 240 si on prend des photos à un intervalle de 2 secondes, donc 2 fois 240 ça fait 480, donc divisé par 60 ça va faire 8, et donc un hyperlapse de 10 secondes vous prendra 8 minutes de vol au minimum. C'est pour ça que je dis 31 minutes de vol, c'est quand même confortable, mais bon, il faut quand même faire attention là-dessus. Donc l'hyperlapse, c'est vraiment voilà, un plus en tout cas sur ce drone-là, et je trouve qu'ils l'ont très bien fait parce qu'il y a plusieurs modes, mode libre, mode POI et ou waypoint, clairement, où on peut lui indiquer un chemin à prendre, et lui, il va faire le mode hyperlapse tout seul. Il va aussi l'assembler. Alors les photos seront aussi enregistrées soit en format JPEG, soit en format RAW, comme vous le souhaitez, sur la carte mémoire, ce qui vous donnera plus de liberté, bien sûr, en RAW, en post-production, pour les assembler comme bon il vous semble. Et là, on part du mode photo. Alors le mode photo, c'est un peu mon mode préféré, parce que là maintenant on a des photos en 20 mégapixels, et pour peu qu'on prenne des photos en RAW et bien sûr qu'on les retouche avec Lightroom CC classique, hein, bien sûr le classique, donc ils sont reconnus. Les photos poids DNG de ce drone là seront reconnues, voilà, moi je l'ai déjà fait, c'est vraiment pas mal, et donc vous pouvez retoucher tout, vous pouvez retoucher le contraste, vous pouvez retoucher l'exposition, la saturation, la vibrance, la courbe de couleur, enfin vraiment tout en fait au final, pour tirer le meilleur parti de vos photos avec ce petit drone là. Là ce qu'on va faire quand même, je parle beaucoup, énormément, on va aller tester ce drone, on va aller voir ce qu'il a dans le ventre et on va aller décoller, comme ça on pourra voir ce qui se passe directement. A tout de suite. Avant de passer au vol du drone, on va regarder un petit peu le menu, ce qui peut changer un petit peu par rapport au Mavic Pro 1 et aux autres. Donc là on est sur l'écran principal du drone. Donc on voit que le bouton pour démarrer l'enregistrement, c'est pas le même. DJI a maintenant intégré donc les degrés ici quand vous baissez ou vous descendez la nacelle. Moi j'utilise de toute façon la bouton C2 pour baisser et descendre de 90 degrés. Les modes de vol, ici vous avez l'hyperlapse. Alors on peut sauvegarder, ok. Donc on peut faire un libre, un cercle, donc autour d'un point d'intérêt, course lock, donc c'est-à-dire qu'il va garder la même course en fait, il va aller tout le temps dans la même orientation au final, et waypoint, donc là il va passer par plusieurs points d'intérêt qu'on lui aura défini bien sûr, et donc il va faire après son petit time-lapse tranquillement, gentiment, qui peut nous générer et à partager après sur les réseaux sociaux n'importe où, quand, comme vous le voulez. On a aussi les modes quick shot. Hein, ça on les connaît, astéroïdes et ainsi de suite. Je ne vais pas les détailler parce qu'il y a plein de vidéos là-dessus. L'active track aussi. L'active track 2.0, c'est mieux parce que en fait ce qui se passe, c'est que au niveau du drone, il va pouvoir calculer des choses qui peuvent arriver sur le chemin, comme un obstacle, un arbre qui se met entre la cible et le drone. Donc il va pouvoir plus ou moins prédire ce genre de choses et pouvoir garder la cible toujours pointée. Et ça, on va dire que c'est pas mal. POI, point d'intérêt, on le connaît, sauf que là, cette fois-ci, on pourra dire, voilà, je veux tourner autour de ce point d'intérêt, carrément au doigt, au lieu de... Avant, il fallait se positionner au-dessus du point d'intérêt, dire oui, c'est ce point d'intérêt-là, faire aller en arrière pour dire, ok, ça sera le rayon, et ensuite dire, ok, on va tourner, sens horaire, anti-horaire, angle de la vitesse, ben voilà. C'était très laborieux, et là, c'est beaucoup mieux en tout cas. Le tap fly, pas besoin de le dire ce que c'est, donc on tape pour dire où il va aller, hein, carrément visuellement, et il va aller où il a besoin. Le mode cinéma, c'est un mode où le drone ne s'arrêtera pas sec en fait, comme en GPS, donc il se laissera tout simplement couler, donc il utilisera son inertie en fait pour s'arrêter tranquillement, gentiment. Donc après, il faudra faire attention bien sûr quand on est à proximité des obstacles, parce qu'on risque de se taper n'importe quoi très facilement quand on ne pense pas qu'il joue sur son inertie, et donc il se laisse toujours couler. Au niveau du menu, donc là on est en mode vidéo, et là moi je suis toujours en manuel, donc là il y a la priorité vitesse, priorité ouverture ou auto. Moi je me mets en manuel clairement, je suis à F9. Le problème, alors aujourd'hui, le gros problème que je rencontre, c'est le fait de ne pas avoir de filtres ND du tout, qui sont en rupture de stock et qui ne seront pas disponibles avant octobre facilement chez PolarPro, chez DJI, chez Freewell, chez beaucoup de monde en tout cas en fait. J'ai déjà essayé de regarder un petit peu à droite à gauche, même chez PGY Tech par exemple, je n'ai absolument rien trouvé, et c'est ça. Mon plus gros malheur aujourd'hui, c'est de ne pas avoir de filtre ND. Comme aujourd'hui c'est ensoleillé, je suis obligé de fermer à F11, hein, pas à F9, F11, parce que je n'ai pas de filtre, et F11 ça suffit pas assez, parce que ben, quand il y a des hautes lumières, il y a des hautes lumières et on ne peut rien faire. Et en plus de ça, moi j'aurais besoin de filtres hybrides. Ce que je conseille maintenant à tout le monde, c'est des filtres ND PL, des filtres ND polarisants. Ça rend le ciel meilleur, enfin, il y a un meilleur rendu pour le ciel, et aussi pour l'eau, c'est un meilleur rendu. On parle de moins de reflets dans l'eau, les choses comme ça, ça améliore vraiment clairement la qualité de l'image. Prenez toujours des bons filtres, tablez sur du Freewell, sur ben, les DJI aussi, alors quand ils le feront en polarisé. Il y a aussi PolarPro bien sûr, ça coûte un peu un bras, PGY Tech, voilà, c'est un peu les marques moi que je conseille pour vous. Et si on doit prendre des filtres, c'est du ND4 ou ND32 Maxi. 32 vraiment c'est de l'extrême extrême. ND4 c'est pour lever coucher de soleil, ND8 temps couvert, nuageux, pas de soleil, ND16 temps ensoleillé, ND32 ça sera quand il y aura de la neige ou quand vous serez au bord de l'eau et qu'il y a une forte réverbération du soleil dans l'eau ou sur la neige. Au niveau de la caméra, donc là j'ai mis taille de la vidéo 4K, 24 images par seconde, c'est ce que je conseille de mettre hein, clairement en haute qualité, sinon vous avez le 4K FOV, Field of View hein, Il y a une différence entre les deux, hein, vous voyez. Donc là, on voit full l'image et le HQ, c'est un peu croppé. Clairement, c'est un peu croppé, donc c'est un peu recadré. Hein, on n'a pas tout, pas tout le capteur, mais on conserve toujours du 4K. On a du 2,7K, du 1920. Du 1920, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut monter à 120 images par seconde. L'image est aussi redimensionnée hein, sur le capteur, hein, faut pas rêver. Et voilà, moi je reste en 4K, c'est parfait. Format de la vidéo, moi j'ai choisi du MP4, vous pouvez choisir du point move, hein, si vous pouvez traiter du point move, il n'y a pas de souci. Balance des blancs, ensoleillé, jamais mettre en automatique, jamais, jamais, jamais. Nuageux quand c'est nuageux, après incandescent, fluorescent, ça va être à l'intérieur, personnalisé, si vous connaissez la température de votre lumière en degrés Kelvin. Moi, je ne la connais pas, donc voilà, je préfère ne pas mettre ça, je laisse en ensoleillé, voilà. Le style personnalisé, donc moi, je mets plus 1 pour la netteté et je laisse le contraste et la saturation telle qu'elle. Après, donc il y a standard, paysage, doux, voilà. Alors, le style de couleur, ici, on a soit du normal, donc voilà, pur et dur, hein. Le HLG, donc voilà, ça c'est ce qui correspond au HDR, ou le D-Log. Une chose, je vais vous montrer rapidement, donc l'encodage de la vidéo de la caméra est en H265, voilà, c'est le HEVC, bien meilleur, 50% de plus de détails que le H264. Je redescends dans H264, et là, tuc, si je redescends en H264, le profil, on n'a plus que du normal qui est accessible. Donc en fait, pour utiliser le D-Log et le HLG, il faut absolument, absolument mettre en H265 et pouvoir traiter les vidéos bien sûr en H265. À savoir que LumaFusion, que je présente dans plusieurs de mes tutos, traite le H265 sans aucun problème, il traite du 4K, on peut traiter jusqu'à 3 pistes 4K en fait, on peut superposer 3 pistes 4K et 3 pistes audio. Donc, vous voyez, avec LumaFusion sur iPad, c'est tout à fait possible pour une application qui coûte 25 € si je me trompe pas, dites-moi si je me trompe. Au niveau de ça, donc moi j'ai laissé l'histogramme, hein, je peux le virer, mais voilà, c'est pas mal pour la répartition de la luminosité en fait. Hein. Donc les LED, on les laisse allumer. Bloquer la nacelle pendant la capture, c'est toujours assez intéressant. Activer le mode CAF, donc ça c'est le mode pour l'autofocus. Surexposé, je pourrais le mettre pour voir les zones qui sont surexposées, ça vous met des zébras. Quand vous avez des zébras sur votre vidéo, c'est que vous avez activé ça, le mode superposé, surexposé. Synchro auto des photos HD, oui, pourquoi pas, je le laisse, hein. Il va directement le mettre dans des gigots, j'imagine. Sous-titres, j'en ai pas besoin. La grille des tiers, pas besoin de diagonale. J'ai besoin d'aviseur pour pouvoir faire mes points d'intérêt. Voilà, vous pouvez en mettre plusieurs. Voilà, on peut le mettre en rouge, on peut le mettre en bleu, on peut le mettre en n'importe quelle couleur vous souhaitez pour que ça ressorte le mieux. Je vais le laisser en rouge, moi j'aime bien. Anti-scintillement, je le mets. Oh. Non, je le mets en off. Ça me sert pas. Pas grand chose, moi pour l'instant en tout cas. Sauvegarder le fichier original, alors en RAW, donc on sauvegarde le timelapse et on peut sauvegarder le panorama en RAW. Stockage, on le sait, donc le Mavic 2 lui intègre un stockage de 8 Go en interne, et là moi j'ai une carte mémoire de 128 Go pour être très large dans ce que je fais. Et voilà, après, vous pouvez formater et ainsi de suite, voilà, on le sait. Il reste 61% d'autonomie, on va y aller. Hein, on va essayer de faire une petite vidéo, ça serait pas trop mal, non? Alors, ici, on a toujours les mêmes choses. Et il y a une chose que j'ai vue qui s'appelle Remote Identification. Et clairement, je ne sais pas à quoi ça sert. Apparemment, c'est pour... c'est des champs libres qu'on peut... à remplir ou pas, c'est complètement facultatif, et donc en fait les personnes au sol à côté pourrait nous identifier grâce à ces informations qu'on aurait rentrées. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans le cadre de la législation? J'en ai aucune idée. Si quelqu'un sait à quoi ça sert exactement, dans quel cadre ça a été fait, ça pourrait être super intéressant de nous le dire. Je ne vais pas tout dire parce qu'on a vraiment tout ce qui se retrouve normalement dans l'autre drone, dans le Mavic Pro aussi. L'évitement d'obstacles, donc les petits pictogrammes pour dire ce qui est actif ou pas. Actuellement, comme on n'est pas en mode trépied ni en mode active track, donc il n'y a que l'avant et l'arrière qui est activé. Au niveau de la radio, donc on peut activer maintenant le mode recharge. Ça permet de recharger carrément le téléphone maintenant. Alors c'est possible sur Android, mais sur iOS ça n'était pas le cas aujourd'hui. Donc là aujourd'hui c'est une possibilité. Je vais l'enlever parce que j'ai pas envie de vider la radio de ma batterie sur le téléphone que j'ai déjà chargé auparavant. Mais ça peut nous dépanner quand on est à l'extérieur et qu'il ne reste pas beaucoup de batterie sur le téléphone et qu'on a un max de batterie sur la radio. Niveau HD, le canal, donc on peut choisir soit 2.4 soit 5.8. Par contre, on peut toujours pas choisir le mode de canal, hein, on est en automatique. Et alors moi, l'image transmission setting, moi je le mets en mode normal et pas en 1080 parce que ça envoie, hein, clairement en 1080. Hein. Le transfert de données est assez intense et on risque plus d'avoir des pertes à un moment donné. Donc moi je laisse sur normal, même si 1080p ça doit être génial, c'est le top. Mais sur un petit écran comme ça ne sert à rien. Sur une tablette, peut-être, pourquoi pas. Mais sur un si petit écran, on ne voit pas l'intérêt, moi, aujourd'hui. Ce qui est top avec le Mavic 2 Pro, c'est que on ne voit plus, en tout cas, les hélices quand on incline la nacelle vers 30 degrés. Donc, ça peut nous donner la possibilité de faire des petites contre-plongées à 30 degrés, à plus 30 degrés comme ça. Et ça, voilà. Donc, ça fait un total de 120 degrés. Voilà. On est quand même beaucoup plus relax par rapport à ça. Bien sûr, là, je l'ai mis en 4K HQ, c'est croppé, donc on voit beaucoup moins les hélices, on n'a pas le plein champ de vision en fait au final, donc c'est pour ça aussi, ceci explique cela. Ce que je vous propose, c'est d'aller voler directement. Donc on va démarrer le drone et puis on va voir où on se trouve, on va voir ce qu'on peut faire comme plan et on va y aller tout de suite en tout cas. Allez, à tout de suite. Là, j'ai un micro-cravate, je me rapproche du drone. Je ne sais pas si vous entendez. Est-ce que vous entendez? C'est pas super bruyant par rapport à d'habitude. Je vais m'élever. Et là, il est super stable. On va revenir vers la caméra avec le drone. Il y a ce bip horrible, bien sûr, mais il y a zéro vent, ou presque zéro vent en tout cas. Et vous voyez comme moi qu'il est hyper stable en stationnaire. Il n'est pas très haut du sol, donc il devrait être perturbé par son propre vortex, hein, comme j'ai déjà dit. Mais ça va très bien pour lui en tout cas. Donc on va le faire aller un peu plus loin. Voilà, je le pose en stationnaire maintenant. Et je vais démarrer l'enregistrement. Et vous voyez tout au fond, là-bas, Avoriaz. On va faire un petit demi-tour. Je l'ai toujours à vue. Hein. Donc là, ce que je vais faire, je vais m'arrêter. Donc on voit que la nacelle est sur moins 2. Et je vais la monter, donc je ne vais pas me tromper de sens. Alors, hop, je me trompe de sens. Vous voyez, on est à plus 30 degrés, donc plus 27, hein, bien sûr. C'est pas bien grave. Et donc on n'a aucun mal. Là, je le laisse à plus 10 degrés. Hein. Je vais reculer. Donc là, je le remets à 3. Mais vous voyez, on ne voit pas du tout les hélices. Et ça, ça peut être vraiment agréable pour faire des plans. Allez, je la ramène avec moi, vers moi. Et là, j'ai laissé vraiment les réglages d'origine pour les sticks. Je le redescends vers moi. Coucou, je suis là. Donc c'est pas mal, hein. Ce qu'on va faire, on va tester l'active track. On va voir ce que ça donne parce que je ne l'ai toujours pas testé, hein. Ok. Allez, c'est parti. Et vous remarquerez une chose sur l'active track là tout de suite, c'est que ici on a un évitement d'obstacles normal. Donc tous les capteurs sont actifs actuellement. Là, il y a des arbres là-bas. On va se rapprocher. On va voir ce qu'il indique. Donc là, il y a un sapin à côté. Ça va. Il est intelligent, il me voit toujours. Et si je repasse dessous, et si je lui cours après, je peux pas courir, hein, c'est pas vrai. Parce que avec ma jambe, je ne peux toujours pas. Et ça va pas si mal que ça, clairement. Ben voilà, en tout cas pour l'Active Track, ce que ça peut donner. En tout cas, il n'a pas tapé contre les arbres, il était tout près et il s'en est pas trop approché. On l'arrête. Et donc, ce que je veux faire aussi, c'est un point d'intérêt. Je me suis sélectionné, en tout cas je pense m'être sélectionné. Là il va commencer à tourner vers moi, autour de moi. Donc là, on peut voir que les capteurs latéraux sont bien désactivés. Je vais pas bouger parce que c'est pas du dynamique, hein. Faut pas rêver. On peut le faire aller plus vite, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus agréable de pouvoir sélectionner son point d'intérêt comme ça que de devoir aller au-dessus, dire que c'est OK, reculer. C'était vraiment très laborieux. En tout cas pour l'Active Track. Donc il y a tous les modes qui sont disponibles, hein, comme le mode Quick Shot. Donc voilà, on a le drone, on a le cercle, la spirale, la fusée, la boomerang, l'astéroïde. Donc en fait, on a vraiment tout ce qu'on retrouve aussi sur le Mavic Air. Voilà, moi je n'ai pas forcément plus besoin que ça. Et ce qui est intéressant de voir, ce que je viens de remarquer, c'est que le drone me suit. Vous voyez la petite cible, il sait où je suis, et par rapport à ça, il pourra faire un astéroïde, un boomerang, enfin, un mode quick shot. Voilà, donc là, pour le drone, il me reste 26% d'autonomie. On va retourner au mode normal. Et on va aller se poser. On va passer en mode photo. Niveau des réglages, donc la photo ici, puis prise de vue unique. Taille d'image 3,5 puisque le capteur le permet. Et je ne vais pas mettre en 16/9 parce que je vais perdre la résolution sur la photo. On reste en RAW. Balance des blancs soleil. Le style toujours le même. Et couleur, on est en normal. Il n'y a qu'un seul profil de couleur. C'est normal. Alors, on est parti. On va prendre 2-3 photos. Et puis on va voir ce que ça donne. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Voilà, première photo à prendre. Je vais prendre celle-là. Parce qu'elle me plaît bien. Je vais recadrer un petit peu. Non. Ouais, parfait. On a les nuages. On voit ces nuages qui sont au-dessus. Alors là... je vais monter un petit peu. Je descends hein, parce que ça sert à rien d'aller trop haut pour prendre des photos. Ouais, je vais prendre comme ça. Voilà. On va aller au-dessus de la forêt et on va prendre une photo en contre-plongée. Allez, on a presque plus de batterie. Et voilà ce que ça donne. On a pris 3 photos. Rapidement parce que les batteries commençaient à manquer. Donc ici on est orienté vers Avoriaz hein. Ici donc les nuages, les montagnes avec les nuages et une petite contre-plongée directement, une photo à l'aplomb donc des arbres. Et donc il y a de l'ombre hein, sur la photo avec les arbres. On va voir ce qu'on peut en faire. J'étais pas super haut donc ça donne pas une super photo, mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc ici on a les montagnes avec les nuages. J'aime bien parce que voilà, les nuages passent vraiment au-dessus, sur la pointe des montagnes. Et la toute première, j'aime bien aussi, c'est voilà, quand il y a des nuages dans une photo, ça lui donne plus de caractère, clairement. Donc on va améliorer tout ça. Je vous mets les photos en fait juste après, retouchées avec Lightroom.